Attention, quelqu'un qui va danser avec nous dans 3, 2, 1. Eh ouais, c'est Paimon! Eh ouais! Paimon, vas-y, danse, danse! Ça vient en vogue là sur mon Discord. J'ai besoin de vous. Ah, il y a Bibi. Ouais, Bibi! Je l'appelle Habibi! C'est une technique spéciale. T'inquiète, mon clic gauche, mon espace, ils ont pris cher sur ce jeu. Paimon, tu parles trop! À peine repris l'histoire deux secondes plus tard, Paimon, déjà. Tu vois, t'as fait proc énormément de petites graines là avec l'hydro. Non, mais c'est trop fort ça par contre. Ouais, c'est vraiment fun. En plus, avec Kazuha, ce qui fait qu'il peut faire regrouper toutes les graines au même endroit avec son E. J'avoue que Kazuha, c'est vraiment pas mal. Kazuha, c'est le perso, tout le monde a eu un coup de cœur dessus. Il est ressorti il y a pas longtemps, ouais. Il est sorti il y a un an la première fois. Les gens étaient en mode non, Venti est mieux. Puis les gens ont découvert que non, et du coup, il est ressorti. Ah, c'est stylé de fou. Ouais, tu peux enchaîner comme ça. Il partirait loin quand tu veux. Ouais, je regardais pas le Discord. Mais du coup, comment tu fais pour prendre ce... Bah, tu peux grimper, tu peux sauter. Vu que t'as Kazuha, tu peux cheater un peu, tu vois. Tu peux mettre ton E chargé et ça va voler. Essaye de le charger plus fort. Tu l'as pas mis... Je savais pas que tu pouvais faire ça. C'est bien pour l'aventure, genre Kazuha, tu peux faire des trucs comme ça. Ah, Venti aussi, c'est pas mal, hein. Ouais, Venti aussi, bah moi j'ai eu de la chance, c'était mon premier 5 étoiles, tu vois. Pendant que mes amis, ils arrivaient pas à prendre des coffres en hauteur, bah moi j'étais en mode, bah moi j'ai Venti. Moi je faisais que ça. C'est pratique. C'est pratique, mais Venti, t'allais quand même plus haut. T'allais plus haut, mais c'était moins... Ça, tu peux le mettre en volant, genre tu peux voler et rappuyer sur eux dans les airs. Ah ouais? Ouais. Il va essayer de commencer à voler et tu sautes, tu vois. Voilà, appuie sur E. Tu peux pas faire un E chargé dans les airs, mais tu peux faire un petit E. Du coup, on peut faire un petit saut, tu vois. Imaginons que si t'allais à un endroit, il te manque un tout petit peu. Ah, j'aime trop. Moi, ce que j'ai... Alors, vraiment... Ce que j'aime vraiment sur ce Meru, c'est la musique, l'ambiance, la musique de l'endroit. Ils ont vraiment mis des musiques qui sont vraiment trop stylées. Ouais, il est là-bas. Cours, petit, cours! Ah, ça t'a débloqué un coffre derrière toi. Et en plus, c'est un truc devant. Ouais, j'ai vu le truc devant. Il était attiré par le truc devant. Ouais, je t'ai vu partir en ligne droite dessus, le coffre. T'as fait, non, je m'en fous du coffre. Je vais m'envoler! Quand t'as plus de... Putain, j'ai plus d'endurance. Ça pue, avant j'avais tellement d'endu, j'ai l'impression que je cours 2 secondes là. Ouais, bah. Ça, c'est vraiment le truc le plus chitant. Ne plus avoir d'endurance. C'est pour ça que je farmais tout le temps les trucs secondaires. Ouais, les hydrocules, les animoculus et tout. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont annoncé plein de personnages pour le futur du jeu, tu vois. Dont des personnages dans l'histoire qui sont des méchants. Tu vois, Tartin, lui, c'est un méchant, tu vois, dans l'histoire. Et ils ont c'est marrant qu'ils prennent des méchants. Ils ont annoncé, bah Raiden aussi, bon, c'était un méchant qui se faisait contrôler et tout, mais ils ont annoncé plein de persos, et les persos, ils sont trop flou. Mais genre, vraiment, c'est une dingue. Ouais, tout ce que j'ai joué, Raiden, c'est vraiment une dingue. Ah, par contre, Raiden, elle a un petit peu... Quoi? Un petit peu lourd, quoi. Elle a pas beaucoup de PV, là. Elle va bientôt mourir. Non, tranquille. Ah, ok. C'est elle a des PV cachés. Ah, c'est un shield transparent? Ouais. Ah, ok. Mais tu connaîtras quand tu seras à Sumeru. Ouais, c'est vrai, je suis pas encore découvert. Mec. Ah, je peux encore monter. Ah, monter. En vrai, prends-toi un perso qui heal dans ton équipe. Et qui? Bah, t'en as plein. Tu peux choisir. Y'a un mec qui n'arrive dedans. Ouah! Ah oui, t'as c'est. Envie. Faut que tu sois dedans et c'est parti.
Et moi, je heal, toi aussi. Non, il n'y a plus de heal. Ah, mais en plus, il reset quasiment. Ah, ouais, elle est trop forte. Quand il a fini, tu l'as bientôt. Merde. Kokomi, c'est un bon perso avec Raiden, Fischl. En fait, c'est un perso que tu joues dans la team Taser. Parce que, genre, c'est électro plus haut et ça se tape entre eux, tu vois. Donc, ça fait vraiment comme si t'avais de l'électricité, t'es un Taser. Ok. Je suis un chat. Lapin. Lapin ou chat? Un chat. Ah ouais? Ouais, un chat. Ok, moi j'aurais dit lapin. Comment ça, un lapin? Bah, ses grandes oreilles. Il a des poils dans les oreilles. Un chat. Ça, c'est le temple où il faut les clés, là? Enfin, ouais, c'est ça. C'est un coffre dedans, un grand coffre avec plein de récompenses. Je m'en souviens encore. Ouais, c'est pareil pour le début du jeu. Un petit renard. Non, le renard, c'est Gaï. Oh là là. Raiden. En plus, l'arme de Raiden, c'est vraiment son arme à elle, et l'arme, elle lui va trop bien. Niveau design. J'aime bien les effets. Ouais. Les spells. De cette heure. De ces éléments. Ah, mais elle est jolie, la ville, hein. Ce que j'aime bien avec Genshin, c'est plus ils avancent dans l'histoire, plus le jeu ils avancent, plus ils font des champions avec un contenu totalement différent qui s'innove, et ça, c'est vraiment stylé, tu vois. Ouais, je vois. Les attaques et tout ça. Hein. Ouais, les persos qui arrivent, qui ont été annoncés, où il y a eu des vidéos pour leur sort, c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce que c'est que ouais, ça tu peux rentrer. Non. Non, il y a forcément une intrigue. Comment ils ont fait un bâtiment? Il y a une icône sur la map. On peut pas faire une icône. Mais je pense que c'est quand t'avances dans l'histoire. Ouais, je pense. Après, je comprends qu'ils me ferment la porte. Je suis encore à la bibliothèque, quoi. Ouais. Eh, hey, toi, regarde-moi bien, toi. La viande. Et cours. C'est ça. Passe ta route. Tu sais que moi, je suis en train de me dire, je commençais à me lasser un peu du jeu parce que c'est quand tu arrives à la fin du jeu en late game, c'est toujours redondant parce que tu fais tes missions du jour. Ouais, tu fais tes quêtes journalières. Bah après, et c'est. C'est comme tous les. Ouais, c'est comme tous les jeux de ce style. Hein. Ouais, ouais. Tant qu'il n'y a pas de nouveau contenu, bah tu fais la même chose, tu vois. Et là, ils ont ajouté une grosse majeure d'un coup avec plein de trucs. C'est vraiment satisfaisant et toujours plus pour le futur du jeu, quoi. Bah, c'est surtout que s'ils rajoutent en plus des trucs derrière. En fait, de toute façon, ce genre de jeu, pour moi, c'est le plus opti de sortir petit à petit. Bah ouais, parce que s'ils sortent tout d'un coup, c'est-à-dire que les mecs, genre, qui farment H24, bah, ils vont finir et après, ils vont se lasser, justement. Ouais, c'est ça. Ils vont tout rush et à la fin d'avoir fini, ils vont regretter. Bah, trop cool. Bah, c'était un plaisir, franchement. Bah, merci, Bibi. Hein. Y'a pas de problème. À plus. Bisous, Bibi. Bonne journée. Toi aussi. Sur ce, moi, je vais aller me reposer. En tout cas, je fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi le live. Merci, Bibi, encore pour l'aide. Passez une bonne soirée. Mangez bien, peut-être, si vous êtes en train de manger. Et reposez-vous bien et kiffez votre fin de soirée. Des bisous, tout le monde. Tchou tchou.